Donc le circuit est constitué de trois circuits intégrés, le IC1, le IC2, le IC3, comme on peut le voir sur le circuit. Il y a le IC1 qui attaque directement les LED L1 et L2, puis il y a le circuit cyclique qui va attaquer directement le NE555, qui est le IC3 qui va attaquer le buzzer. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous les éléments sont indiqués sur les schémas, les LED L1, L2, le CI1, le circuit intégré 1, le IC2 et le CI3. Donc les buzzers et en même temps l'alimentation constituée bien sûr du transformateur et de la partie qui est constituée des condensateurs, du régulateur et des circuits de filtrage. Alors, nous avons d'abord les deux transistors là, donc c'est les deux transistors là, qui jouent le rôle de là, bien sûr, par l'intermédiaire de ce CI1, le NE555, qui va bien sûr commander directement ces deux diodes qui vont jouer le rôle de clignotaires d'une manière alternée. Alors, ensuite, il va y avoir aussi ici un autre indicateur, donc il y a l'indicateur lumineux, celui-là, puis l'indicateur sonore, donc c'est celui-là. Donc l'indicateur sonore, il est bien sûr commandé par ce circuit intégré, c'est le NE555. Bien sûr, il va sonner il va fonctionner pendant 20 secondes, et puis il s'arrête. Nous avons aussi un autre circuit qui est important, c'est le temporisateur cyclique qui va commander le NE555. Donc, toutes les 20 minutes, il y a une impulsion directement qui va actionner le NE155 qui est monté en multivibrateur monostable. Donc, celui-là, c'est un multivibrateur instable de longue durée. Celui-là, c'est un monostable. Donc, bien sûr, cette diode-là, LED, elle est liée à l'alimentation, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons le pont de diode ici, c'est l'alimentation, pont de diode. Puis, la capacité de filtrage de 1000 microfarads. Puis, le régulateur 1809. Donc, on va avoir une entrée 12 volts et puis une sortie 9 volts. Puis deuxième filtrage et puis c'est l'antiparasitage et le filtrage final. Donc nous avons l'alimentation et puis cette alimentation est visualisée par cette diode-là. Alors cette diode-là, elle est liée directement au convertisseur, au temporisateur, pardon, temporisateur cyclique. Quand il est fonctionnel, cette lampe s'allume. Quand il ne fonctionne plus, elle s'éteint. Nous avons ici le transformateur ici d'alimentation. Donc nous avons ici l'entrée, ici les deux fils là, donc le vert et le noir, qui vont attaquer directement le pont de diode. Alors revenons ici, donc nous avons l'entrée ici, cette entrée qui est directement liée aux deux transistors interrupteurs, liée directement au détecteur de pluie. Donc si on met une goutte entre les deux morceaux d'aluminium, donc il va y avoir les deux fils sont chantés et automatiquement les deux transistors vont actionner, aussi bien actionner le NE555, le CI1, donc qui va bien sûr alimenter les deux LED et en même temps le buzzer là. Alors, quand il y a bien sûr la présence d'eau, quand il n'y a plus d'eau ici entre les deux, donc tout le système va s'arrêter. Donc, on va passer maintenant, on va voir comment le système va fonctionner. Alors, donc ici, on va mettre. Alors, j'ai une seringue qui est remplie d'eau. Donc, je vais verser
une goutte ou trois gouttes entre les deux là, et on va voir un petit peu le résultat. Donc on va voir le résultat ici. Vous voyez? Donc ça va s'allumer. Donc le sort va retentir, le buzzer va retentir pendant 10 secondes. La lampe du temporisateur cyclique va s'allumer. Et nous avons aussi les deux diodes là, LED, qui vont s'allumer et ne vont jamais s'arrêter tant qu'il y a présence de l'eau. Donc vous voyez que le sang s'est arrêté. Mais ça va répéter après 20 minutes. Ça va, donc la lampe, après 10 minutes, ça va, elle va s'arrêter. Et puis elle va s'allumer. Quand elle va s'allumer, ce circuit-là va envoyer une impulsion vers le monostable et va se déclencher à nouveau. Mais ici, ça va continuer à clignoter. Mais si on enlève l'eau, s'il n'y a plus d'eau ici, donc s'il n'y a plus d'eau ici, donc il n'y a plus d'eau ici, donc ça peut, ici, ça s'arrête. Donc s'il n'y a pas d'eau ici, donc ça s'arrête ici. Donc on va essayer de faire la deuxième expérience. Deuxième tentative pour voir que le circuit fonctionne bien. Donc les deux LED là ne fonctionnent pas. Donc vous voyez, ça marche. Donc en présence de l'eau ici, dans le tuyau là, et donc ça va nous. Les deux diodes vont clignoter. Donc cette diode là, c'est pour indiquer, ça visualise, cette diode va visualiser la tension. Et ça, c'est, elle va nous indiquer que le temporisateur cyclique fonctionne. Donc on va ajouter un peu d'eau. Donc on va encore fermer ici, donc le bouchon. On va fermer le bouchon. Le bouchon. Bien, on va fermer provisoirement et on va ajouter de l'eau. Donc quand on va ajouter de l'eau ici, ça va clignoter. D'accord? Ça va clignoter. Donc, il y a donc présence de l'eau ici. Très bien. Donc, vous voyez donc que le clignotaire, les deux LED clignotent et il y a aussi le son. Et nous avons que la lampe est allumée, cette LED est allumée qui indique que le temporisateur fonctionne. Très bien. Donc, si on ouvre, donc si on ouvre, on ouvre. Alors, si on ouvre, voilà, on va être en train d'ouvrir. Automatiquement, la LED s'est arrêtée. Donc, la LED s'est arrêtée. Donc, le système fonctionne bien. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons ouvert le système.